Arnaud, enchanté. Caroline. Enchanté. De même. Donc alors, vous suivez la série de près? Oui, ouais. Beaucoup. Je l'ai connue un peu tardivement, mais depuis... Depuis quelle saison? J'ai regardé mon premier épisode. La fin de la saison 3 était déjà diffusée, en fait. J'ai vu le dernier épisode en replay, avec, grâce à mon oncle et ma tante. Et j'ai tout de suite accroché, donc dans la foulée, je me suis fait... me suis tout refait. D'accord. Et depuis, je suis ça assidûment. Je suis devenue, comme qui dirait, accro. D'accord. Alors, je suis pas du tout musicienne, alors je connais pas du tout ce genre de choses. Rien que ça, je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, comment ça peut être fait. Donc c'est totale découverte. Ok. Là, c'est ce qu'on fournit, en fait, au mixage. Marqué, il y a des percussions, de l'orchestre, les harmonies, donc tout ce qui fait les mélodies, etc. Après, au studio, toutes ces pistes-là sont livrées de manière à permettre à l'ingénieur du son de pouvoir, vu qu'il y a des dialogues, des bruitages qui sont ajoutés, des effets spéciaux, ça s'appelle du sound design, des trucs un petit peu partout. Donc, du coup, il y a de la musique, des dialogues, des machins, il y a plein de choses. Donc, si à un moment donné, ils se rendent compte que moi, les percussions que j'ai fournies sont soit trop fortes, soit finalement pas forcément utiles, ils ont la possibilité après, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les... Donc là, par exemple, on peut voir que l'orchestre, évidemment... Voilà, en fait, on peut faire comme ça, c'est un peu plus rigolo. Là, par exemple, ce sont que les pistes d'orchestre. Et si vous voulez, vous pouvez... ce que ça donne en montant tel ou tel piste. En fait, ça baisse le volume. En fait, exactement, tout c'est ça. Ouais. Là, ça active ou ça désactive la piste. Ça fait quelque chose. On se donne. Comme ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, d'accord. Ça prend combien de temps à peu près pour composer une musique pour un épisode? À peu près 15 jours. Moi, je reçois un épisode où il y a déjà une sorte de montage musical sur la base du catalogue. Mm-hmm. Et à partir de là, moi, je retravaille séquence par séquence là où il faut de la musique, etc. Et puis parfois, j'en mets là où il n'y en a pas parce que je me dis, tiens, là, ça serait bien, etc. Savoir qu'il y a en moyenne 20 ou 25 musiques par épisode. La victime est devenue un monstre grâce à vous. Et les circonstances atténuantes que la justice retiendra ne lui épargnera pas les séjours en HP. Sans parler de la petite Astrid, qui est la plus à plaindre. Ça fait bizarre. C'est mieux avec ou sans? C'est mieux avec. C'est bizarre sans musique. Alors faites-moi grâce. Votre soudaine humanité. Ah bah oui, c'est mieux. Je prends l'habitude. Je me dis, en tant que compositeur, peut-être que la vocation première, c'est peut-être pas de composer pour des séries ou des films ou quoi que ce soit, je sais pas. Moi, la musique pour l'image, ça m'a toujours, ça m'a toujours intéressé. Alors, je voulais faire du jazz, donc j'étais saxophoniste de jazz, d'accord. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Mais très vite, je me suis dit que j'avais envie de faire des... Moi, c'était même pas tant de la musique de série. Enfin si, il y avait des musiques de films, choses comme ça, mais... Au départ, je me disais, je pourrais essayer de faire des musiques de pub. Donc, en fait, j'ai commencé vraiment par faire des musiques de pub. D'accord. Et des musiques pour de l'habillage. L'habillage télé, en fait, donc sur des chaînes enfants et autres. Mmh. Et puis, petit à petit, les formats sont devenus de plus en plus longs. Et le secteur de la musique à l'image avec de la musique de film, quelque chose qui me correspond qui me correspond très bien. Je trouve que dans les temps, on retrouve vraiment, la musique, personnellement, je trouve qu'on entend et on sait que c'est qu'un. J'imagine pas une série sans un générique qui marque, à l'entendre, il faut qu'on se dise, je sais que c'est ça, je sais que c'est telle série. Oui, souvent, c'est vrai que c'est le générique qui fait l'identité C'est ça.